Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Joue avec moi, jeu pour enfants. Aujourd'hui, donc, j'ai une machine à coudre pour enfants. Super cool, donc c'est pour les enfants à partir de 6 ans. Donc, c'est Simba qui fait ça, donc vraiment cool. Cool Maker. Donc, Magically Create Your Own Stylish Fashion. Donc, créer tes propres styles comme par magie. Super cool. On va pouvoir regarder les différentes étapes que l'on peut faire. Voilà. Donc, on a des tissus avec aussi. Ici, on peut voir un petit peu de plus près à tout ce que l'on a. Voilà, donc coudre, machine à coudre. Voilà. Créer, construire et décorer. Voilà, on a différentes missions, différentes choses que l'on peut faire avec ce super kit. Et on a des tissus brillants qui sont inclus. Super cool. Voilà. Voilà, donc bon, on va essayer de déballer tout ça hein, et on va regarder ça de plus près. Ok, donc voilà notre school maker, notre machine à coudre. Hein. Super cool, donc on peut la porter facilement. Il y a des piles à mettre dedans. Et bien, on peut essayer. Et oh, ça fonctionne très vite. Donc on a nos aiguilles hein, qui fonctionnent bien. Bon après bon je sais pas encore exactement comment ça fonctionne, mais on va lire les instructions, on verra bien. Voilà qu'on a aussi donc voilà, petit tiroir. Ici donc ici vous avez sûrement vu, il était dans l'emballage. Donc c'est notre petit papillon. Voilà là, donc on a le papillon et puis là, de l'autre côté donc on a la cool make. Voilà, donc après on a différents autres, plein de tissus différents encore, plein d'autres choses. Oh super, une licorne. Waouh, bon c'est le même principe, hein. On a des lignes, peut-être pour coudre. Un peu élastique pour les... Oui. Ouais. Donc on a différentes couleurs. Super cool. Donc on a plein de petits... Ouais, ça fait un peu élastique, voilà, des petits élastiques. On a des différents fils, différents tissus, plein d'autres choses. Donc on a du ruban rose.
Ok. Donc j'ai pas encore tout à fait, comme je l'ai dit, tout à fait compris de le mode d'emploi, comment ça fonctionne. Ok. Voilà, on a différents motifs, etc. Je pense qu'il faut vraiment prendre un petit peu de temps. Voilà, on a les petites formes que l'on peut donner, des gouttes, etc. Donc voilà, je pense que ça peut être des petites idées de couture, de ce qu'on peut faire. Donc on a vraiment plein d'idées sympas hein, que l'on peut utiliser ici, qui nous sont données. Voilà. Donc on pourrait essayer quelque chose de sympa. Je pense que j'ai déjà commencé à prendre ça. Changer un petit peu au niveau des couleurs. On la met en place. Et on le passe ici. Ok. Et après, bon, on peut continuer comme ça, hein. Ok, donc j'appuie là. Ok, donc voilà ce que ça donne. Voilà, un petit fil rose cousu sur un beau voile à paillettes bleues. Ah, c'est assez solide. Ah non, faut le redétacher. Ah, faut tirer quand même assez fort. Bon, c'est pas vraiment une véritable machine à coudre, c'est un autre principe du coup. Voilà. Je vais peut-être essayer avec un autre tissu. Avec le papillon par exemple. Ça a l'air un petit peu chaotique, hein. Ok, jusqu'au numéro 2 du coup. Et donc on voit. Oh, ça tient bien. Oui, c'est pas mal. Bon, après, si on tire plus fort, ça va risque de casser, mais. Mais là, si on regarde ici, c'est que ça tient bien. Hein. Je trouve ça bien. Vraiment, pour les enfants, c'est vraiment bien.
Voilà, c'est tout moelleux, tout mou, tout doux. Donc on peut le remplir et ça peut nous faire un petit coussin papillon. Voilà, je connais pas, j'ai encore jamais vu, mais je trouve ça vraiment bien. Ouais, vraiment super. C'est rigolo. Voilà, mon premier projet avec la machine à coudre est terminé. Et le cool maker. Je trouve ça vraiment super cool. Vraiment chouette. On le regarde. Et puis, oh, ça a l'air bien solide. Enfin, au moins suffisamment solide. Donc, pour s'entraîner, vraiment chouette. Ça fait des résultats sympas. Ouais. Donc de quoi devenir un peu assez créatif, de faire des petites bricoles comme ça, de coudre, de faire plein de choses. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires là-dessus. Ok, donc je vais essayer avec ça. Donc je peux découper un peu. On accroche ça bien. Ok, donc mon petit pompon est terminé. Donc aussi, la petite méthode pour faire les pompons est pratique et cool. Voilà, le collet est encore un peu plus petit. Après, on aurait peut-être fait plus de tours. Bon, mes premiers projets sont terminés avec cette machine à coudre Cool Maker. Donc là, encore un petit bouton. Je sais pas encore... Voilà, on avait quand même un bouton de secours ici. On peut toujours tout stopper. Ok, petite sécurité que je viens de voir. Ok, donc d'autres trucs, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires pour me dire, raconter vos expériences avec cette machine à coudre pour ceux qui l'ont déjà eu, qui l'ont déjà utilisé. Voilà, donc n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Laissez plein de commentaires, d'avis, de suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à aimer la vidéo si vous avez aimé mes projets. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Vous pourrez, toutes nos vidéos donc de films, Playmobil, films autres, expériences, présentations de jeux. Et puis on se dit à très vite. Salut !